של הסרט וגם השחקנית שמגלמת תפקיד האם, נעמי לבובסקי, סילבו פלי, ומבוזתו, כלכמו. וואלה. Shalom. Can you translate, please? Shalom? No, shalom, no, mais maintenant. Now, can you translate, please? Yes, of course. Alors, bonsoir. Je suis très, très heureuse d'être en Israël. I'm very happy to be in Israel. And je découvre le désert. Je suis très impressionnée. היא מאוד מתרגשת להיות בישראל. היא גילתה את הערבה והיא נרגשת מאוד. Je vous remercie ainsi que Edna d'avoir invité le film. היא מודה לנו על שהזמנו את הסרט. On pourra se parler après la projection si vous le souhaitez. נוכל לשוחח על הסרט קצת יותר. רציתי להודיע, אבל הנה היא הודיעה לי בשבילי. Et je vous souhaite une bonne projection. והיא מאחלת לכם, וגם אני מאחל לכם, ליהנות מן הסרט הקרנה נעימה. בבקשה. Je ne me souviens plus pas comment on est là. Pour faire connaissance. J'aimerais que Mathilde vienne me voir de temps en temps pour me parler de ses petits problèmes. Est-ce qu'on dit « je ne me souviens plus pourquoi on est là » ou « je ne me souviens plus de pourquoi on est là » ? Il vaut peut-être mieux dire « je ne me souviens plus de la raison pour laquelle on est là ». Bonsoir. Voilà, alors il faudrait peut-être commencer en parlant de votre film, de poser la question qui sans doute tout le monde vous a posée. Est-ce que c'est un film autobiographique? שאלה ראשונה שמוכרחים לשאול כאשר מדברים על סרט כזה, האם מדובר בסרט אוטוביוגרפי? D'abord, excusez-moi parce que je ne parle pas un mot d'hébreu et je ne comprends pas un mot d'hébreu et mon anglais est affreux, alors je suis obligée de parler en français. C'est déjà dit. Non, pas à propos de l'hébreu. Ah, si, oui, c'est vrai. Si. Est-ce que c'est un film autobiographique? Dans les sources d'inspiration sont proches de mon enfance, mais ce n'est pas à proprement parler un film autobiographique, c'est-à-dire que ce qui se passe est de la fiction, mais l'inspiration est de mon enfance. זה לא בדיוק סרט אוטוביוגרפי, ההשראה באה מילדותה ומדברים שקרו לה בילדותה, אבל הפרטים בתוך הסרט הזה הם פרטים פיקטיביים לגמרי, פרטים שנכתבו לתסריט, הם לא הפרטים מתוך החיים הפרטיים שלה. Maintenant, je crois qu'il faudrait peut-être parler de la production du film qui a été tellement compliqué et riche d'événements. מותר אולי לעבור עכשיו לדבר על הפקת הסרט שהייתה מאוד מורכבת ומאוד מסובכת, כפי שתשמעו בקרוב. Oui, ça a été la fabrication de ce film a été très accidentée. Le tournage a été arrêté une première fois, 5 mois, et puis il a repris et il a été arrêté une deuxième fois. Et là, un arrêt définitif du film a été prononcé. ההפקה הייתה מלאה בתאונות. ההפקה הופסקה פעם אחת לחמישה חודשים. אחר כך היא התחילה מחדש, ואחר כך היא הופסקה שוב, ונדמה היה שזאת הפסקה סופית. Est-ce que maintenant ça a l'air d'être le film que vous avez voulu faire du début? האם היום הסרט הזה נראה כפי שהיא חשבה שהסרט צריך להיראות מההתחלה? Non, pas du tout. Non, בכלל לא. Par contre, je crois que ces accidents ont amené le film à son
à un des points de départ de mes, voilà, une de mes premières envies, qui était de raconter une histoire d'amour entre une petite fille et sa mère. Mais le scénario ne ressemblait pas du tout à ce que vous avez vu. Comment est-ce que vous avez tourné la chouette? Avec des poussins attachés à des manches à balai. Vous avez compris? Des poussins. Tourner avec la chouette, toute l'équipe était esclave de cette chouette qui est grande comme ça. On était tous ses esclaves. Et alors on utilisait des tas de ruses pour qu'elle regarde dans la caméra ou pour qu'elle ne regarde pas dans la caméra, pour qu'elle tourne la tête vers sa partenaire. Et parmi ces ruses, on prenait un balai. Et on attachait un poussin au bout du balai. Noémie Lebovski est tassritaïte, est bamaïte, et est sarkanite, comme vous l'avez vu. Et la question est vraiment, qu'est-ce que les mélachotes sont adifotes? Vous êtes scénariste, vous êtes actrice, vous êtes réalisatrice. Qu'est-ce que vous préférez parmi toutes ces occupations-là? C'est pas pareil? C'est pas le même rythme. Et c'est pas la même énergie. J'ai l'impression que quand j'écris et que je réalise, je suis dans une énergie de marathon. Quand je joue, je suis dans une énergie de sprinter. האנרגיה שלי כמו אנרגיה של רץ למרחקים קצרים. Mais là, c'est pas la première fois, mais en tout cas, lorsque vous réalisez et jouez un film, est-ce que c'est pas une difficulté en plus que chez משחקים ומביימים סרט? כלומר, שאתה צריך להיות כאילו משני צדי המצלמה ביחד. האם זה לא סיבוך נוסף? Ça dépend des rôles. Là, pour ce film-là, pour moi, c'était une difficulté en plus. Parce que je jouais un personnage qui se mettait en dehors. Quand on réalise, on est spectateur de la scène. Et là, la mère ne veut pas être spectatrice. Donc là, pour ce rôle-là, c'était une difficulté en plus pour moi. Mais par contre, c'était mieux pour la petite fille de jouer avec la réalisatrice. Mais mibkhinata. C'était plus difficile, mais ça a aidé à l'enfant à jouer avec le tida de la bamaïte, c'est-à-dire à continuer à sentir la sensation familiale. Et je l'ai fait parce que je sentais que c'était mieux pour elle. Et j'ai décidé de faire ça parce que j'ai senti que ça a aidé à elle.